Nous sommes à Bikélé, particulièrement Antenne, mon deuxième quartier général. Ma seconde circonscription administrative et territoriale, après la baie de Cochon. Lorsque vous arriverez ici, ne courez pas le risque de m'appeler David Mberakouma, on ne vous montrera jamais chez moi. Dites seulement qu'on veut voir l'honorable. Dès que vous dites que vous voulez voir l'honorable, en ce moment-là, on vous amènera chez moi. Lorsque vous irez à la baie de Cochon, ne dites pas que vous voulez voir David Mberakouma. Vous direz tout simplement que vous voulez voir le minotaure de la baie de Cochon. On vous amènera chez moi. La semaine prochaine, je vais organiser un bouillon politique du côté de la baie de Cochon, où j'aurai pour invité Eric Otete, Mikala, le conseiller Mboumpins, Marie-Stéphanie Mouissi, Ursula Ota, Paterne, le citoyen de bonne conscience. J'aurai une brochette d'au moins 20 personnes que je vais amener à la baie de Cochon pour communier avec les populations, parce que l'atmosphère est en train de changer. Passe par là. L'atmosphère est en train de changer et il serait souhaitable que tous les leaders des quartiers précaires que nous sommes, les leaders des quartiers sous-intégrés, pour ça, maman, mettions une plateforme commune pour défendre les intérêts du plus grand nombre de personnes. Donc ici, nous sommes du côté de Bikélé Antenne. Vous voyez bien l'antenne à l'air là-bas. Là, Dieu merci, il n'y a plus de pluie. La route s'est un peu améliorée. En pratiquement 5 à 6 mois, le bas de caisse de mon véhicule a été endommagé à cause de cette voie-là. Et c'est pourquoi j'ai fait ce direct pour demander aux autorités du CTRI, en tête desquelles mon bienfaiteur Brice Côté Olegui Diamant, de penser également aux populations sous-intégrées de Bikélé, et particulièrement cette rive-là. Donc la rive à laquelle j'appartiens, la rive gauche. Et ici nous sommes encore comme à la préhistoire. Le bilan du PDG reste de plus décrié. Voilà, il y a cette route-là par contre. Elle vous permet de sortir du côté de chez le ministre, côté des pavés. L'avocat ministre du parti qui a porté plainte au perroquet national, qui d'ailleurs n'a même pas attendu la décision du parti. Il a déjà fouillé son poste de vice-président du Parti démocratique gabonais. Actuellement, il est en France, en train de faire le buzz dans les réseaux sociaux. Le perroquet national, celui qui disait que les populations de Vent, de Makoku et autres, ne votaient pas le PDG à cause de son programme de société, mais votaient le PDG à cause de l'espérance. Parce que l'espérance du juste ne périt point. Et il fallait espérer contre toute espérance. Le voilà sous ses gros chevaux, maintenant dans les chaînes de télévision, en train de faire son propre bilan. Son bilan d'ancien Premier ministre, il n'a pas pu relancer la croissance économique. C'est maintenant qu'il est devenu l'opposant de CTRI, qui parle de relance la croissance économique. Bonsoir. Qui parle de la diversification de l'économie et qui parle de toutes les supercheries. Voilà des acteurs politiques comme ça qui ont eu pratiquement plus de 30 ans au sein de la structure gouvernementale d'un gouvernement déchu, caractérisé par l'ostracisme, le négationnisme, le jusqu'au boutisme et il y a encore ces kleptomanes là, fils de la veuve, des quartiers mal famés qui arrivent à le soutenir. Et ils sont maintenant nombreux. Venant et des fils communs, vous allez rire. Les gens ont des interprétations vraiment macabres. Ils ont trouvé un nouveau sauveur, un nouveau jésuite qui fait sur une chaîne de télévision
le bilan, son propre bilan, passé à la tête des gouvernements successifs. Et les gens acclament, ils applaudissent. Celui-là qui est à l'origine de leur situation de prévarication, de leur situation de misère, de pauvreté abjecte sauvage. Par contre, c'est la communication du conseiller Inyanga, qui est d'ailleurs également un pédagogiste, qui fut également un pédagogiste critique comme David Mbelakouma, qui est en train de s'interroger sur la raison pour laquelle certains pédagogistes occupent encore des postes de responsabilité au sein de l'architecture gouvernementale, mais également au sein de nos assemblées. Et il prenait pour support justement la loi, et qui est l'émanation de la volonté populaire, et il parlait des généralités de la loi, à savoir son impersonnalisation et sa généralité. Donc, le caractère général impersonnel, mais également sanctionné. Pasteur, je vais d'abord, j'arrive, je ne passe pas là. Ah oui? Mais je suis à la maison? Dev? Où dit-il, Kaboun? Oh! J'arrive. Donc, voilà un conseiller, pourtant pédagogiste, qui a compris la nécessité pour les autorités du CTI de respecter justement les orientations des 500 personnes qui sont allées représenter notre pays au dialogue national inclusif que moi, David Mbelakouma, est toujours qualifié d'exclusif. Pour quelle raison est-ce que on arriverait à sanctionner les uns au détriment des autres alors que la loi doit avoir le caractère général? Et il recommandait d'ailleurs... Comment ça va m'aider? Il recommandait d'ailleurs aux membres du CTI eh bien, d'aller jusqu'à la boue de la logique. La boue de la logique, c'est que ces décisions ne peuvent pas avoir le caractère exécutoire maintenant. Ce sont des propositions que ces nos représentants ont faites. Il faut traduire ces propositions en texte de loi, de telle sorte que ces propositions puissent avoir l'autorité de la chose jugée et se transformer en véritable règle de droit inviolable et imprescriptive. Donc, ceux qui savent, savent. Et je comprends l'agitement du perroquet national, parce qu'il sait qu'il aimerait également pour chasser le gibier. Le gibier dont le neveu a arraché à l'oncle. Et là, je voudrais féliciter Eric Otete qui a fait une caricature de plus majestueuse par rapport à cette course-là pour la récupération du gibier. Voilà un oncle qui allait en chasse et un neveu qui allait de son côté également à la chasse. Malheureusement, l'oncle n'avait pas les armes oudies pour pouvoir tuer un éléphant. Il faut non pas un calibre 12, mais un double zéro. Et le neveu, ayant son double zéro, a réussi l'exploit. Il a réussi l'exploit. Et malheureusement, ça fait